Hello les petits gus! Aujourd'hui, on se retrouve pour Roberto on the Run. La semaine dernière, je vous avais expliqué les règles, donc de toute façon, elles sont notées en barre d'infos ou allez voir tout simplement la première vidéo si vous l'avez manqué. Et là, on était chez notre petite amie Don Lotario à dormir et dans la matinée, il fallait qu'on aille à l'hôtel de ville pour aller checker des tuyaux. On avait déjà mis 2491 simflouz, mais bon, on est déjà presque à la moitié de notre vie de jeune adulte. Donc on va continuer tout ça. Regardez mes dents tous les deux. Ah bah il a fait de la bouffe. Non, 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 non. Non, Dunlop. Je suis déçue par cet ami. Allez, récolte-moi tout. Allez hop, allons déboucher ces tuyaux. 500 balles. Non, arrête de manger. On est censé vendre ça. Je voulais qu'il aille au truc pour polir les pierres là. Mais je pense qu'on va aller faire un tour à la piscine plutôt. Il faudrait peut-être qu'on fasse de la peinture aussi. On va aller au truc des pierres qui est là. C'était ça. Je vois le prix. Saphir jaune, 46 balles. Le Taiwan Emerald. 56, je récolte du miel. Comme ça, on pourra le vendre. Oh, 284! Ah, réponse au téléphone. Simflouz, attraper 3 poissons et le vendre poisson. Bah oui, on va faire ça. Ah, oh, on est arrivé à 5000! Va déjà chez Download, remonter tes besoins. Est-ce que les marques Dermot, ils ont nouveau? Oui! Non, mais les voleurs, toujours. On va aller à l'alchimiste. On a plein de trucs à vendre. On va aller à la galerie. Et s'il n'y a pas de chevalet, on va aller pêcher le poisson, tout simplement. Allez, entraîne-toi à la peinture. Je me dis, s'il arrive à vendre des toiles et cher, peut-être que ça peut nous faire un monstre avantage. Bah voilà, il a faim. Il a faim. Ben je pense qu'il va retourner au restaurant. Hein. Tu mangeras et puis on retournera ici. Ouh, 31, c'est peu, mais ça peut s'améliorer. Est-ce que Don est chez lui? Non, il est pas là, ce con. Il est là. Et je pense que demain, on ira pêcher les poissons. Va dormir, mon grand. Don, ne nous fais pas ça. C'est chiant, hein. À récolter ce qu'il y a dans le jardin des voisins. Et puis avec un peu de chance, Don te relaissera rentrer dans peu de temps. Don, relaisse-nous venir. Non, regardez les deux, quoi. Un petit couple. C'est qui sonne? La police? Pas qu'à sec. Et on ira pêcher, aller à côté. Peut-être qu'on va pouvoir pêcher des bons trucs. Ce qui est chiant, c'est que les besoins, ils descendent hyper vite, quoi. Ah, on a un hareng. Deux poissons, il nous en faut un troisième. Allez, un petit dernier, mon petit. Ah, on peut livrer le poisson. Bah écoute, on ira retourner chez Don pour se remettre d'aplomb. Et puis, on ira livrer le poisson juste après. Allez, Don. Non, c'est pissé dessus. Nettoye au moins. Tu veux pas laisser ta gouille, quoi. Allez, va livrer le poisson. 220. Il est où le musée? C'est ça, hein? Ouais. Une petite peinture, vu que t'es un peu un débutant. Juste pour que ça augmente son niveau. 4 balles. Bah merde, hein. Tant qu'il augmente son niveau... Oh, t'as faim nouveau, mon con. Pour ça, je pense que t'iras au resto. Mais comme toujours, je sais pas où il est. Allez. Et je pense qu'on retournera à notre fidèle piscine. Allez, va dormir. Ça me donne envie de faire pipi, ce bruit. Mais il y a même petit Don qui fait son aquagym. Écoute, tu vas papoter avec cette petite meuf. Comme ça, ça nous fera peut-être une autre amie. Rosanna est enjeuleuse. Elle est célibataire. Ouh. En plus, il y a Don, il va être déçu. Lui, il voulait qu'on sorte ensemble. Bon, écoute, on va aller pisser. C'est déjà nouveau la nuit. Purée, on est à nouveau crevé, hein. Ça, la fatigue, c'est le pire. La fatigue et la faim. Ah, c'est 11 balles maintenant qu'elle vaut la peinture. Fais une petite sieste sur le banc. Les fantômes, là, on les entend. Regardez-les. Bah, il y a des incendies, hein, par ici. Ils sont tous rouges. Bye bye. Ah, je suis déçue, elle a pris la voiture. 19 balles, bon, on va la vendre. Et on va aller chez Don. Et je sais toujours pas où il habite. Oh non, il est pas chez lui. Elle, elle habite où? Thank you.
on va aller voir les McDermott. T'imagines, vous connaissez très bien notre jardin. Bah oui, parce que je vous pille toutes les nuits. Est-ce que Don est de retour? Oui, Don est de retour. On l'entend, il y a la musique. Un fanfaron se donne. Oh non, on a approprié maintenant. Il est jaloux parce que bon, on a dragué l'autre meuf. On va un peu le complimenter. On va manger un petit repas rapide, là. Oh non, mais il pense que tout ce qu'on fait, c'est inapproprié maintenant, lui. Moi, je vous dis, il est jaloux, hein. Oh non, au pire, on va chez Ardoisie, hein. Elle est pas chez elle. Il va nous foutre. Allez, on va essayer de retourner dormir. Non, il nous fout dehors. Est-ce qu'Ardoisie, elle est chez elle? Ah, ça va être trop tôt, ils vont nous dire. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs à récolter autour de chez elle? Il y a un parc pour enfants, là. C'est pas grave. On va aller peindre à la place. Si je fais une grande peinture, est-ce que je gagnerais plus? Oh, opportunité, 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 opportunité. Oh, c'est Don. Je pense qu'il s'est excusé en mode, je suis désolée pour hier. Il veut pas la mettre, mais il est jaloux. Niveau 4 de peinture, ok. Purée, mon meilleur ami avec ce gars, on a fait comment? Mais on bouche les toilettes à chaque fois, hein? Est-ce que c'est une opportunité? Oh! On dit souvent la meilleure façon d'apprendre à soigner, l'école vous offre une super occasion de donner un cours d'art. Wow, ça nous coûte rien, hein? Elle est où Ardoisie? Ah, bah c'est Ardoisie, mais c'est pas elle! Bah écoutez, hein, tant qu'on peut bouffer un peu. Mais on a nouveau bouché les toilettes! Ah, et sa meuf. On va lui demander si elle, il peut rester. Oh, bien sûr, fait comme chez vous! Oui, 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 oui! Premier baiser, est-ce qu'elle va accepter? Oh, elle accepte! Non, on le rate! On l'a raté! Faire crac-crac! Ah, bah merde, il y a le père. Bon, bah, va dormir, hein. On nous a dit de faire comme chez nous, on fait comme chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le petit-déj ici? Ah, merci, Jean-Charles! Comme ça, on pourra manger et après, on ira donner notre cours d'art. Allez, mange et t'iras donner un cours. Ah, bah, c'était juste en face. Galerie d'art. Et on avait un tableau là. 141? Allez, on va en prendre une. Niveau 5 en peinture, ok. Ça, c'est bien pour nous. Les prix des toiles augmentent petit à petit. Donc, c'est bien. Ardoisie, était nouveau chez toi? Oui. Est-ce qu'ils vont nous accepter de nouveau? Telle est la question. Est-ce que je peux rester? On peut même te craquiller si tu veux. Qui est la fin. Bah, tu vas prendre un bain. Tu vas dormir. Mais non, tu t'as dit qu'on pouvait rester, non? Ardoisier. Plus personne n'a l'air de me dire quoi que ce soit. Ou peut-être une opportunité. Répondre au téléphone. Oh, Simflouz. Ah, oh, ben oui. Un McDermott en plus. Ben oui. Allez, au musée. Ouais, ouais, c'est bon, on a compris. C'est inapproprié. On pue. On s'en va dans un évier. Qu'est-ce que tu veux? Laver les mains. Lave-toi les mains plusieurs fois. Une petite toile. Bon, ben tant pis. Là, on fait une moyenne, on fera une petite après. 109, et ben. Ah, ben il y a un bain là. Mais je suis con, j'avais pas vu avant. Ben prends un bain, puis tu feras une petite sieste, puis on fera le tableau pour McDermott. Et je pense qu'après ça, on se laissera. Allez, va peindre ta toile. Je pense qu'il devrait s'arrêter pour aller bouffer. On verra ça. Ouais, ouais, la faim. Tiens, manger là, puis on se surviendra là. J'espère qu'elle nous payera cher, hein, Madame McDermott, pour sa toile. Et continue ta toile, quoi. Oh, en plus, elle a fait un petit pêcheur. C'est bien laid. Livrer la toile. Ah, bah la voici. Oh, bon, c'était pas beaucoup, hein. Elle était estimée à 33. D'accord, alors je me tais. Et de toute façon, on viendra vous voler, donc. Hein. C'est magnifique. Roberto, pardon. Nous allons nous laisser pour ce deuxième épisode. Écoutez, je ne sais pas si ça va être faisable vu qu'on a qu'à 8666 et qu'on est près de la mort. Non, on est près de devenir adulte. Donc, je ne sais pas, à moins que tout d'un coup nos toiles valent des milliers. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voire je pensais à écrire des livres. Parce que normalement, tu devrais avoir les doigts d'auteur qui tombent tous les jours. Donc, j'aimerais bien essayer ça la prochaine fois. Sinon, on se retrouve soit sur Twitch pour des streams durant la semaine, comme d'habitude, ou on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt!